Oh, je me réveille
Une personne s'attend à toi, Saint-Esprit. Une personne veut t'entendre. Une
Jésus est mort, la pensée est mort.
Je m'en souviens.
Recevoir ces choses qu'il a à nous montrer.
Thank you.
30 secondes après la trop pas dans les sons. Oh si tu veux chanter en esprit, chante en esprit. Et ce moment où on est sacré. Bye.
salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute sa grâce soit avec vous. Cet après-midi, nous nous retrouvons encore pour la prédication. Je vais confier le moment au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Je place ton peuple dans le cœur de tes mains puissantes, Seigneur Jésus. Impose ta main glorieuse à chacun de nous, Seigneur. Ouvre-nous l'esprit. Viens nous parler toi-même, Seigneur Jésus. Descends de ton trône de gloire et viens t'adresser à ton peuple que tu as convoqué toi-même. Seigneur, ils sont venus. Mes frères et mes sœurs sont venus t'écouter. Ils ne sont pas venus écouter un pasteur. C'est pourquoi cet après-midi, nous te laissons toute la place, Seigneur, prends la place de la tienne et parle à ton peuple. Que personne ne quitte ce lieu comme il est venu. Remplis-nous, Seigneur Jésus, puissamment, afin que chacun de nous soit un témoignage pour ta gloire. Merci, Père. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour notre Père qui est absent depuis bientôt 3 semaines. Nous prions le Seigneur afin que là où il est, le Seigneur le bénisse, soit avec lui, le garde, le surveille et prend soin de lui afin qu'il revienne sain et sauf en France parmi nous. Frères et sœurs, Dieu. Je voudrais cet après-midi partager un message qui va toujours dans la lignée de la résurrection que nous avons célébrée dimanche dernier. Nous avons célébré la résurrection de Jésus. Mes frères et sœurs, avant d'en arriver à la célébration, sinon à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu un préalable. Jésus-Christ de Nazareth sur terre a eu un ministère de 3 ans à partir de 30 ans. Il a accompli un ministère de 3 ans avant qu'il n'arrive à la croix de Golgotha où il a vécu la mort. Avant donc cette étape ultime qui a mis fin à son ministère sur terre, Christ, avant même d'entrer à Jérusalem, a éprouvé un certain nombre de sentiments en tant qu'être humain, parce que la Bible l'appelle le Fils de l'homme. En l'appelant le Fils de l'homme, Jésus-Christ est un être humain comme nous. Il était donc Dieu, mais incarné. Il était aussi le Fils de l'homme, donc un être humain. Avant d'aller donc à la croix de Golgotha, nous allons ensemble cet après-midi expérimenter ce que lui-même a expérimenté avant d'aller à la croix de Golgotha. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Prenons donc nos Bibles. Nous allons aller dans Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Nous allons prendre le passage, donc à partir du verset 36 à 42. Matthieu 26, chapitre 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 42. Et nous allons solliciter la sœur Stéphanie de nous venir en aide par la lecture
Matthieu 26, 36 à 42. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Le sous-titre est Jésus prie à Gethsémani. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. Il va un peu plus loin, il se jette par terre le front contre le sol. Et il prie en disant, mon père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, mais va te rester éveillé avec moi, même pendant une heure. Restez éveillé et priez. Pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant, mon père, si tu ne veux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore. Et pour la troisième fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez? Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Voyons l'homme qui me livre est arrivé. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Merci, Stéphanie. Frères et sœurs, voici la parole de Dieu. Je ne sais dans quelle version. Ah. Le même passage, dans 8 secondes, nous dit ceci. Toujours à partir du verset 36. Hein. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. Il éprouva la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il se éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté, répétez, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Encore, que ta volonté soit faite. Frères et sœurs,
Voici le thème du message de cet après-midi. Que ta volonté soit faite. Rien d'autre, mais que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Rien d'autre. Les soucis, les tracasseries, les problèmes, les échecs qui font que tu es dans la tristesse. Parce que Jésus-Christ lui-même a expérimenté la tristesse. Tout ce qui fait que tu as des angoisses, ces projets pour lesquels tu as prié depuis des années et qui ne se réalisent pas. Ce que tu attends depuis des années et qui ne s'accomplit pas, qui te met dans la tristesse, dans les angoisses. Seigneur Jésus, que seule ta volonté soit faite et non la mienne. Cette tristesse, ma soeur, cette tristesse, mon frère, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui avait été envoyé par son Père pour venir mourir à la croix de Golgotha, pour libérer l'humanité du péché, a expérimenté la tristesse. Il a expérimenté des angoisses devant les soucis de ce monde. Chacun de nous expérimente la tristesse. Chacun de nous expérimente les angoisses. Le ciel est fermé. Depuis des années, tu pries pour ce même sujet. Rien ne se passe. Le ciel est silencieux. Et tu es dans la tristesse. Tu es dans les problèmes. Tu es dans le raisonnement intellectuel. Et tu te poses mille et une questions. Seigneur Jésus, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Amen. Et ce fils qui a cet âge, qui ne parle toujours pas, Seigneur, que puis-je faire pour lui? Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Cet après-midi, je suis venu te parler, ma soeur, je suis venu te parler, mon frère. Du monde, de ce que le monde nous réserve, de tous les problèmes que nous rencontrons chaque jour, les railleries, les moqueries, chaque jour. Et ce mari, quand est-ce qu'il vient? Tu as plus de 40 ans, tu n'es toujours pas marié. Seigneur, et mes prières, où vont-elles? À qui vont mes prières? Seigneur Jésus, pas ma volonté, mais rien que ta volonté. S'il faut que Seigneur Jésus, ça dure, parce que ça doit durer, et que j'attende le temps que je dois attendre, Seigneur Jésus, que ta volonté se fasse, mais non la mienne. Combien de fois j'ai prié? Combien de fois ai-je gêné, Seigneur Jésus? Rien ne bouge, c'est le désert. Les prophéties s'achèvent, prophétie sur prophétie, mais rien ne se passe. Seigneur Jésus, à ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et ce petit garçon que j'attends, qui n'arrive pas, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté. Et ces études marchent-elles ou ne marcheront pas? Ces diplômes que j'ai et je n'ai pas le boulot qu'il faut, Seigneur Jésus, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Jésus-Christ de Nazareth a expérimenté la tristesse et l'angoisse. Mes frères et mes sœurs,
cet après-midi, nous découvrons que Jésus-Christ de Nazareth, avant d'aller à la croix de Golgotha, a éprouvé beaucoup de peines, beaucoup de souffrances, jusqu'à la mort. Son cœur était attristé. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes pas épargnés. Nous sommes également sujets à plein de problèmes. Autant Jésus-Christ a souffert, autant nous devons souffrir. Mais Jésus-Christ a dit, pas ma volonté, rien que ta volonté. Le temps que ça dure, ma soeur, le temps que ça dure, mon frère, ce que tu attends, pas ta volonté, mais la volonté de Dieu lui-même. Dieu te voit, mon frère, Dieu te voit, ma soeur. Dieu vous voit quand on couple. Et cette joie de l'enfantement, vous attendez. Pas votre volonté, pas votre propre volonté, mais la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse. Et elle se fera. Parce que finalement, frère et soeur, Jésus-Christ de Nazareth est allé à la croix de Golgotha. Il ne s'est pas arrêté en cours de route. Il est monté à Dothan, à Jérusalem. Et il est allé à la croix de Golgotha. La coupe qu'il redoutait, Jésus-Christ a pris quand même la coupe parce qu'il fallait obéir à la volonté du Père. Et cet après-midi, je voudrais te dire, ma soeur, je voudrais te dire, mon frère, toi qui m'écoutes, que nous avons un devoir essentiel en tant que chrétien, c'est le devoir d'obéir sans nous. Nous avons l'obligation d'obéir à notre Père. Et Jésus-Christ a obéi à la volonté de son Père. Nous avons le devoir d'obéissance. Nous avons le devoir d'écouter notre Père. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, pas notre volonté, mais la volonté du Père. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Dieu est assis sur son trône. Au moment où son fils allait à la croix de Golgotha, pour être fouetté, bafoué, Dieu était présent. Où était Dieu? Dieu a laissé faire. C'est pourquoi Dieu laissera faire aussi ta situation pourrie. Mais ne crains rien. Jésus de Nazareth, quoi qu'il est advenu, il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et il est assis aujourd'hui où je vous parle à la droite du Père, dans la gloire du Père. Ton heure arrivera, ma soeur. Ton heure arrivera, mon frère. Ce que tu as parlé de la douleur et tu viendras témoigner devant les hommes. Amen. Pas ta volonté, mais la volonté du Père. Cet enfant qui ne parle pas, il parlera du jour ou l'autre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit le regarde. C'est Dieu qui te l'a donné, c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu ne peut pas indéfiniment le laisser dans cette situation. Un jour ou l'autre, autant Jésus est à la croix de Golgotha et il en est sorti victorieux, ton fils également parlera un jour. Amen. Amen. Pas ta volonté, mais la volonté du Père. Frères et sœurs, excusez-moi, ce message me touche au plus profond de moi-même. Quand je regarde les prières que nous faisons pour les uns et les autres, pour les mariages, quand je regarde les prières, les jeûnes que nous faisons et les résultats qui ne viennent pas, ce message me touche au plus profond de moi-même. Mon ami, tu parleras comme tous les enfants de ton âge. Parce que Dieu t'a envoyé sur cette terre
non pas pour souffrir, mais pour prier, non pas pour être la queue, mais pour être la tête. Car notre volonté est à être humaine, mais la volonté de notre Père est accomplie. Amen. Jésus est entré dans la gloire de son Père parce qu'il avait mis la mort à la croix de Golgotha. Cette victoire est notre victoire. Cette victoire est ta victoire. Cette victoire est ma victoire. Cette victoire est la victoire de l'Église et du christianisme. Cette victoire de Jésus-Christ, nous l'avons tous en héritage. Et chacun de nous doit expérimenter toutes sortes de problèmes, mais chacun de nous doit demeurer ferme. Chacun de nous doit demeurer dans l'obéissance. Chacun de nous doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Non pas notre volonté à nous, mais la volonté de Dieu le Père. N'abandonne pas,
continuez, persévérez, suivez votre Dieu, quelles que soient les circonstances, que les circonstances ne nous trompent pas, pas notre volonté, mais la volonté de notre Dieu. Remarquable, je crois à bientôt 20 ans, 22 ans, 22 ans. En 22 ans, savez-vous ce que maman, pasteur et papa, pasteur ont vécu? Silence. Vous ne savez pas le degré des problèmes qu'ils ont vécu, qu'ils ont traversé 22 ans durant. Certains leur ont même dit d'arrêter, que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, je crois que le prophète est devenu apôtre parce qu'il est bâtisseur d'église. Il en a à Châteaubrun, il en a au Ghana, il en a ici, déjà trois et bientôt peut-être une quatrième et pourquoi pas une vingtaine. Voilà comment le Dieu il travaille. N'abandonnez pas. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Notre calcul, notre raisonnement n'est pas celui de notre Dieu. Dieu, il est souverain. Frères et sœurs, contentons-nous de l'obéir sans. Jésus-Christ a obéi à la voix de son Père. Il allait à la croix de Golgotha. Son sang a coulé. Il est mort. On a enseveli. Mais le troisième jour, le Père avait prévu que son Fils serait ressuscité à la troisième. Au troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth effectivement a connu la résurrection le troisième jour. Le tombeau est vide. Le sang de mon monde qui est vide, c'est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Et quand Jésus ressuscite, il ressuscite avec toi, ma soeur. Il ressuscite avec toi, mon frère. Il ressuscite avec tous les problèmes aujourd'hui que tu expérimentes. Jésus est ressuscité avec tous tes problèmes. Ne crains rien. Que seulement la volonté de Dieu le Père se fasse et non ta propre volonté. Amen. Amen. Voilà ce qu'est Jésus. Celui dont nous avons célébré la résurrection, voilà par où il est d'abord passé avant de connaître la résurrection. Il a expérimenté l'angoisse, la tristesse, car la chair est faible, mais seul l'esprit de vie. La chair est faible, la chair va te tromper, à tout moment la chair va te lâcher, la chair va même te dire de ne plus aller à l'église, que ça fait des années que tu vas à l'église, rien ne se passe, le mari que tu attends ne vient pas, l'enfant que tu attends ne vient pas, qu'est-ce que tu vas tous les dimanches chercher à l'église, et c'est ça la chair est faible, mais seul l'esprit vivifie, c'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur. Ton seul secours, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Ton seul secours, mon frère et ma soeur, église remarquable. Ton seul secours, le Saint-Esprit. Il part tantôt d'une manière, il part tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit. Tu dois te confier au Saint-Esprit. Savez-vous, frères et sœurs, qu'il y a deux étapes dans notre marche avec Jésus-Christ. Le jour où tu as connu Jésus, tu es venu donner ta vie à Jésus, tu es passé par le baptême, par l'immersion. Le Saint-Esprit est venu bousculer ton esprit à toi. Le Saint-Esprit est venu ce jour-là bousculer ton âme. Le Saint-Esprit est venu ce jour-là bousculer ta chair. Le Saint-Esprit donc est avec toi depuis que tu as connu Jésus. Et on appelle ça la nouvelle
naissance. Mais ce n'est pas pour autant, mon frère, ce n'est pas pour autant, ma soeur, que le Saint-Esprit t'a rempli. Il y a une différence. Le Saint-Esprit est avec nous. Depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, nous pouvons venir tous les dimanches ici pour prier, louer, danser pour lui. Mais rien ne dit que le Saint-Esprit nous a remplis. Parce que si le Saint-Esprit t'a rempli, ma soeur, si le Saint-Esprit t'a rempli, mon frère, il doit te parler. Le Saint-Esprit te parle. Il vit en toi. Lorsque la louange et l'adoration bat son plein, nous recevons des messages. Amen. Le Saint-Esprit nous parle. Parce qu'il nous a oint. Laisse-toi oindre par le Saint-Esprit. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Il est avec toi, oui. Est-ce qu'il t'a rempli? Ça, c'est une autre étape. Dieu doit te parler. Il y a des choses que tu veux faire et Dieu te dit non. Pas question, mon fils. Ou pas question ma fille. Quand le Saint-Esprit t'a rempli, il te conduit. Il te conduit comme le GPS vous conduit. Ça, c'est très important. Vous avez vu que Jésus, à un moment donné, il était dans la tristesse, dans les angoisses. Mais à la deuxième phase, il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ce que moi je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Et quand le Saint-Esprit t'a rempli, il te parle, il te conduit. Il ne te laisse pas te distraire par les circonstances. Parce que souvent, nous sommes contraints, nous sommes parfois déviés par les circonstances, les moments. Oui, les problèmes parfois nous détournent du bon chemin, nous découragent. Mais quand le Saint-Esprit est ancré en toi, qui t'a rempli, quelles que soient les circonstances, mon frère, ma soeur, rien ne peut t'ébranler. Les gens se donnent, ils se donnent, se demandent, mais quelle est cette force qu'il a ou qu'elle a? Cela veut dire que le Saint-Esprit est en toi, quels que soient les circonstances, les problèmes. Rien ne peut ébranler ta foi devient inébranlable, parce que le Saint-Esprit vit en toi. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que nous arrivions à ce stade, mes frères et mes sœurs. Et nous pouvons y arriver pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Amen. Seule la volonté du Père peut nous amener à nos profondes. Pierre a pêché toute une nuit. Il n'a rien pris. Et Jésus s'amène. Et Jésus lui dit à plein jour, jette ton filet. Le Saint-Esprit est en lui, il est rempli du Saint-Esprit. Il sait de quoi il parle, il ne dit pas les choses dans le vide. Et toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, Jésus te dira, aujourd'hui, le temps est arrivé, mets ta main sur le ventre de ta femme, elle est enceinte. Et tu viendras où tu iras comme médecin. Et il te dira, mais qu'est-ce que tu as fait, ma soeur? Pourquoi, docteur? Parce que tu es enceinte. Moi, enceinte? Oui, parce que le Dieu que tu adores est un Dieu de miracles. Amen. Le Dieu que vous adorez est un Dieu de miracles. Il prend son temps pour agir. Il ne vous a pas oublié. Jésus-Christ de Nazareth ne vous a pas oublié.
Il est assis après sa résurrection que nous avons célébrée, assis à la droite du Père, où il intercède pour toi personnellement, mon frère, ma soeur. Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Et si tu es là, il est le consolateur. Et Christ lui-même a dit, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le consolateur. Je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le consolateur. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas bien compris ce message. Ce n'est pas un consolateur d'une autre nature que Jésus a envoyé. C'est Jésus-Christ lui-même, après la résurrection, qui est revenu en tant que Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth est lui-même revenu en tant que Saint-Esprit. Quand il était avec nous en Galilée et en Judée, on le voyait de vive voix, on marchait avec lui, on partait de village en village avec lui. Mais quand il est ressuscité, il est revenu sous forme de Saint-Esprit. Nous ne le voyons plus et c'est ce qu'il appelle le consolateur. Il est parmi nous, il est avec toi, il est avec ceux que tu aimes, il prie pour toi, il prie pour tous ceux qui te sont chers, il prie pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes projets. C'est lui qui transmet toutes les prières au Père. Amen. C'est Jésus qui transmet nos prières au Père. Parce qu'il est le canal entre nous et Dieu le Père. Amen. Nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Ne te décourage pas. Pas ta volonté, mais la volonté du Père. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Nous ne le voyons plus, il n'est plus en physique. Il est devenu esprit. Mais il est là. Tous les dimanches, ici, il nous précède avant nous. Il est là. Que personne ne vous trompe. Que personne ne se moque de vous. Vous n'avez rien à faire. Alors, tous les dimanches, vous allez. Oui! J'ai dit un jour à un de mes cousins, si tu savais. Si tu savais ce que depuis que j'ai connu Jésus, que j'ai donné ma vie à Jésus, ce que j'ai comme témoignage, tu prendrais ta femme, tes enfants pour aller aussi à l'église. Je ne suis plus le même. Je ne réfléchis plus de la même manière. Les milieux que je fréquente désormais, les gens ont un certain égard pour moi. Ce n'est plus le même goût qu'ils ont connu. Jésus-Christ est puissant, mon frère. Il ne faut pas que des gens vous trompent. Notre Dieu est puissant. Et il sait qu'est-ce qu'il fait, de quoi il se remet. Dieu nous regarde. Dieu pense à nous. Dieu connaît nos problèmes. Que personne ne nous trompe. Nous allons lire ce passage. Nous allons reprendre la Bible des Thessaloniciens. Je crois 1 Thessaloniciens 5 verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Et le 17 dit, verset 17,
prier sans cesse. Et le verset 18 dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et le 19 dit, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Le 20 dit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous voyez? Amen. Du 16 au 19, au 20, mais le 17, le 18, surtout que j'avais prévu, dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Là encore, on revient sur la volonté de Dieu. Rendez grâce à Jésus en toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Qu'est-ce que ça veut dire, ma soeur? Rendez grâce en toute chose veut dire que dans les mauvaises choses et dans les bonnes choses, tu as l'obligation, mon frère, ma soeur, de rendre grâce à Dieu. Loue Dieu en tout temps et en tout lieu, quelles que soient les circonstances. Loue ton Dieu. Ne te limite pas. Rends grâce à Dieu en toute chose. Même si le ciel est fermé, même si les bénédictions que tu attends ne tombent pas, loue Dieu. Il y en a qui nous demandent de nous confier au Seigneur. Il y en a qui nous demandent de prier sans cesse. Et c'est ce que je voudrais vous demander, frères et sœurs. Prions sans cesse. Parce que Jésus-Christ lui-même, quand il expérimentait la boisse et la tristesse, il n'a pas fait autre chose que de prier. Ses disciples dormaient, il allait prier. À la montagne, il est revenu, il dormait, il est reparti. Jésus-Christ n'a fait que prier. Donc, pour finir, prions sans cesse. Encore, prions sans cesse. Quelles que soient les circonstances. Car cela ne dépend pas de notre volonté, mais de la volonté de Dieu. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Je te remercie cet après-midi pour ce message que tu as donné à ton peuple. Fais que ce message soit gravé dans le cœur, dans l'esprit de chacun de nous, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, nous en souvenir en tout temps et en tout lieu. Pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Que ceux, celles, Seigneur, qui attendent la joie de l'enfantement, pas ma volonté, pas leur volonté, mais ta volonté, Seigneur. Que ceux et celles qui attendent la joie du mariage, pas ma volonté, pas leur volonté, mais ta volonté, Seigneur. Que ceux et celles qui attendent, Seigneur, toutes sortes de bénédictions, ils prient, ils jeûnent chaque jour, Seigneur, pas notre volonté, mais ta volonté. Ce que chacun de nous recherche, Seigneur, pas notre volonté, mais ta volonté. Seigneur Jésus, je laisse le peuple entre tes mains.
que chacun de nous parte transformé, touché par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, enseigné par le Saint-Esprit, transformé par le Saint-Esprit, que chacun de nous expérimente chaque jour la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Seigneur, voici ton peuple, voici tes enfants, voici tes fils, voici tes filles. Jésus-Christ de Nazareth, par notre volonté, fais ta volonté. Merci mon Dieu, merci mon roi, à toi l'honneur, à toi la gloire. Que ton nom nous embrasse, que tu nous accompagnes, Seigneur, tous les jours. Toi qui nous as fait de tomber, fais de nous ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Par notre volonté, mais ta volonté. Merci mon Dieu, merci mon roi. Vendredi également, tu nous apportes à 21h. Mercredi pour les enseignements publics, le vendredi.
prière dès le dimanche. J'en prie la seconde la résolution de commencer à l'heure. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire 15 heures? 15 heures. C'est important que nous en commencions cette heure et nous finir à temps pour que chacun puisse rentrer à temps chez soi. C'est beaucoup bien de voir, n'est-ce pas? Nous venons tôt, nous en commençons à 15 heures afin que 17h30, et que on est déjà parti de semaine. Nous faisons l'effort ensemble alors que nous faisons aussi l'effort. Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est élevé nos mains. Oh Dieu de gloire, merci pour ce que tu as fait cet après-midi. Tu nous as fait grâce, Seigneur mon Dieu, d'expérimenter non seulement ta présence, mais également ta parole. Merci pour ce que tu as fait, oh Dieu de gloire. En effet, que peut-être physiquement, nous n'avons pas vu, Seigneur mon Dieu, beaucoup d'activités. Mais dans le monde spirituel, nous savons que non seulement les anges ont été en mouvement, mais ton esprit aussi a agi. Et toi, ô Dieu de gloire, tu as établi les choses que nous vivrons là en manifestation à partir d'aujourd'hui. Merci, ô Dieu de gloire. Merci pour le fait que tu nous prépares et tu nous fasses pour vivre l'accomplissement de tes promesses. Merci, Saint-Esprit, car tu es un Dieu fidèle. Personne n'est semblable à toi. En effet, aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à marcher et à suivre tes pas, Jésus-Christ. Aide-nous à être tes disciples. Aide-nous à comprendre les enjeux. Donne-nous cette lumière, cette compréhension, afin que nous puissions marcher sous ton inspiration et être ainsi et un produit dans ces temps de la vie. En effet, le monde doit voir et dire, mais ça, c'est le droit de Dieu. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ cette semaine que tu puisses couvrir, protéger ton peuple, le garder, bénir ton peuple éternel, mon Dieu, qui ne voit rien d'autre que ta gloire, que tu puisses leur faire du bien cette semaine, que tout projet de l'ennemi contre leur vie, ainsi que leur famille, soit nul et sans effet. Tout le projet satanique est renversé, toute manipulation de l'ennemi est brisée. Tu as dit dans ta parole, il n'y a point d'enchantement contre Jacob, il n'y a point de divination contre Israël. Ainsi, Seigneur, aucun enfantement, aucune divination ne pourra marcher sur la vie de ton peuple dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, couvre-nous, protège-nous, que des anges nous accompagnent. Tout projet de mort contre nos vies est nul et sans effet. Nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour déclarer les bonnes œuvres de l'Éternel. Seigneur, merci. À toi la gloire et l'honneur. À jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Thank you.